Offrande d'acclamation. Beaucoup de personnes sont découragées. Many people are discouraged. À cause de leurs états dépressifs. Because of a depression state. Un homme dépressif ne peut pas avoir la foi. A depressive man cannot have faith. Parce qu'il y a des discours contradictoires dans son psychisme, dans son subconscient. Because there are opposing voices in his mind. Qui a traversé des états dépressifs, qui veut rendre témoignage rapidement, les voix qu'il entendait, les discours que le démon lui donnait. Can we have someone who si tu es là, lève la main. Went through depression and want to give his testimony here. Et ça fait partie du ministère de délivrance et de guérison physique. It is part of a ministry of deliverance, physical et deliverance. Guérison physique. Physical healing. Guérison émotionnelle, guérison psychique. Emotional une personne. Psychological healing. Il est déjà là. Je croyais qu'il était facile d'écrire un livre sur la dépression. I believe it was easy to write a book on depression. Quand j'ai commencé. When I started. Ça a pris plus de 10 ans. It took more than 10 years. J'ai découvert que ce n'était pas des démons qu'on devait chasser au nom de Jésus. I discovered that there were not demons that we could just chase away in the name of Jesus. Mais je savais que c'était quand même les démons. But I knew it was demons anyway. Certains dépressifs, quand on veut les délivrer, tu dis Jésus, il dit oui, Jésus, Jésus Christ, et il cause avec vous. Some il n'est pas délivré. People, when you want to deliver them, when you say Jesus, they say yes, Jesus, and they chat with you. Ailleurs, quand nous avons rencontré les démons. In other places, when we met demons. Dès que tu dis au nom de Jésus. As soon as you say in the name of Jesus. Le démon commence à crier. He start crying. Mais shouting. Le dépressif cause avec toi. But the depressive chat with you. Et si tu dis à un dépressif, je veux t'amener à l'hôpital. If you tell a depressive, I want to send you to hospital. Les dépressifs ont peur de l'hôpital. They are scared of hospital. Parce que il y a un désordre psychique. Because there is a psychic disorder. Que leur intelligence perçoit. That their intelligence can get. Et ils savent que ça peut finir dans un centre de psychiatrie. And they know that it can end in an hospital for mad people. Ça augmente leur peur et leur angoisse. So it increases the fear and the anguishes. Tu dis à un dépressif, je t'amène à Benjaville. Il peut quitter la maison, dormir en brousse. You tell a depressive, I will send you to Benjaville. He can leave the house and sleep in the bush. La folie, c'est... Il est facile de chasser un démon de folie. It's easy to cast out a demon of madness. Et la personne devient normale. And the person become normal. Les gens qui traversent les troubles de dépression. But people who are going through depression. Tu peux crier au nom de Jésus. You can shout in the name of Jesus. Mais ils ont un problème. But they have a problem. Qu'on peut résoudre spirituellement autrement. That we can sort out spiritually in another way. Et qui était là? Qu'est-ce que tu oui, parle. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous allez comprendre. Yes, tell us what happened to you. Gloire à Dieu. Et je suis le frère Jean Robert, j'ai pour faiseur la sœur Esther Dobré du groupe Steamer. Et bien aimé, il faut dire que vraiment je souffrais terriblement lorsque j'avais la dépression. Et depuis 2014 que je suis rentré à la CMCI, on a fait mon brisement des liens plusieurs fois. Mais quand j'ai fini le brisement des liens et que je rentre à la maison, même nuit là, ou bien lendemain matin, les choses recommencent. Et mon faiseur des ici me disait comme ça que c'est qu'il doit avoir un péché dans ta vie. J'ai dit vraiment, maman, en tout cas, je cherche, mais pour le moment, je ne vois pas. Et à chaque fois, je souffrais terriblement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon songe, je voyais une grande armée qui m'attaquait. Et souvent aussi, j'ai fait des songes où je vois comme bon, des animaux
féroce aussi qui m'attaquait. Mais en réalité aussi, quand je suis là, quand je vois soit comme un chien, et dans ma pensée, c'est comme si le chien lapait mon sexe. Et quand je vois le chien, je croise les pieds comme ça. Donc, ça faisait que quand je vois un chien venir, j'ai peur. Et quand je vois même un poulet venir vers moi, c'est comme si le poulet piquait dans mon anus. Donc, du coup, quand je voyais un poulet, je tremblais. Et arrivé à un certain moment, quand je vois un homme qui est couché, j'ai envie de lécher cet homme. Excusez-moi. Non, parle, tu délivres les gens. Il y a des gens qui sont malades. Même yes, speak, même you are delivering people. Amen. Even there are people who are. J'ai envie de lécher even cet online. Homme. Ça, c'est les caractéristiques d'un homme dépressif. These are the characters of a depressive man. On appelle ça les suggestions démoniaques. Et c'est comme ça que d'abord. Donc il y a ce que nous avons appelé les suggestions démoniaques. There are what we call the devilish suggestions. Et il y a aussi ce que nous avons appelé les simulations démoniaques. There are also what we call simulation, devilish simulation. Le diable te fait percevoir des états au niveau de ton esprit, mais qui ne sont pas réels. It means that the devil makes you see some things that happen in your mind. Et ça that trouble are not ton true, âme. And it troubles your soul. Il dit que quand il voit un chien, il se protège. He told us that when he sees a dog, he protects himself. Vous voyez, il était malade. He was mad, he was sick. C'est un grand trouble psychique. It's a great psychological trouble. Ça, c'est ce qui lui arrivait. Si on interroge les autres, il y a d'autres signes. If we ask the others, we can have other signs. Continue. Quand je marchais, je sentais comme si mon sexe était dehors. C'est-à-dire, je sens un vent frais qui frappe mon sexe. Oui, ce comme vent, si... c'est ce que nous appelons simulation. Ça n'a rien à voir avec les hallucinations. Les hallucinations ont une source extérieure. C'est ça que la médecine connaît. Mais les simulations ont une source intérieure. C'est-à-dire, tu as une interprétation intrinsèque dans ton intelligence. C'est ça qui détourne, qui détruit ta personnalité. These are nothing to see with hallucination because simulation comes from your inside and hallucination came from your outside. Donc, quand tu sens qu'un python est dans ton ventre, ça c'est la dépression. When you feel there is a python in your stomach, ça dit, tu this attends, is depression. Tu as des signes et tu sais interpréter. Tu sais, c'est toi-même qui sais que c'est un python. It means you have signs and you are the one who know that it's a python. Quand les gens sont malades là, when people are sick, on les envoie faire les examens. They send them to do some tests. Ça fait les examens qu'ils savent de quoi ils souffrent. And it's after the test that they know what they are le suffering dépressif from. Peut te décrire sa maladie. Il te dit que c'est un esprit qui vient, il est gros, il entre dans ma tête, il s'assoit, il suce mon sang. Quand tu le regardes, tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? The depressive can tell you his sickness. He can tell you that it's something, a spirit which comes in my stomach. Il a une inspiration. He is inspired. Quand quelqu'un a une inspiration, ce type d'inspiration, fais attention, c'est la dépression. If someone has this kind of inspiration, take care, because it's depression. Tu vois quelqu'un venir. You see someone coming. Tu sais déjà que c'est un sorcier qui vient là. You already know that it is a witch coming. Et une voix te dit, fuis. And a voice tells you, go away, run. Et tu fuis, tu te caches, il passe. And you run, and you hide. C'est la dépression. And the person passes. You are depressive. La faim peut être le suicide ou le délire. The hand can be suicide or madness. Quand vous entendez que quelqu'un est tombé du troisième étage, c'est la dépression. Ça commence, les gens ne savent pas. Il vit ça seul. When you hear that someone falls from the third floor, it's depression. Because it starts, the person hides it and fights alone. Certains tombent dans l'eau. Some fall in waters. Un esprit dit que fuis, va dans l'eau. A spirit tells them run and go in the waters. Et il obéit.
And he obeys. Pourquoi obéit-il? Why does he obey? Son discernement a été détruit. His discernment has been destroyed. Dans Ecclésias 7, verset 7. In Ecclésias 7, verse 7. La parole de Dieu déclare. The word of God declares. L'oppression rend insensé le sage. Oppression makes the wise man senseless. Si vous avez bien compris, il dit quand il se couche, il voit une armée qui l'attaque. Cette armée-là, c'est une simulation. C'est pour l'effrayer. He said when he slept. When he slept, he saw an army attacking him. Les démons sont derrière. Demons are behind that. Il peut faire deux semaines sans dormir. He can spend 2 weeks without sleeping. Il perd le discernement. He loses his discernment. L'oppression rend insensé le sage. The oppression makes the wise man senseless. Même si tu étais un savant. Even if you are a very known knowledgeman. Quand tu vis des états dépressifs. When you are going through depression. Toute ta science disparaît. All your science disappears. Continue. Gloire à Dieu. Et comme papa disait, souvent tu peux sentir des choses en toi. Et moi, je sentais comme il y avait une femme de nuit qui était en moi. Et cette femme de nuit-là, elle respirait. Je sentais comme si elle respirait en moi. Et au niveau de ma poitrine ici, je sentais comme si j'avais une grosse plaie au niveau de ma poitrine ici. Et cette femme de nuit qui en moi produit l'immoralité. Or, en réalité, si c'est une pensée simple, tu peux refuser tout simplement. Mais moi, je suis obligé de me concentrer. Me concentrer avant de refuser. Sinon, je ne peux pas refuser. Et c'est comme ça m'arrivait. Et si je cède une minute ou deux minutes, je sens des odeurs qui viennent m'envahir. Et quand l'odeur vient m'envahir, je sens comme si c'est des démons qui entrent maintenant en moi. Et ils viennent s'asseoir dans mon dos. Et toute la journée, je passe le temps à router et très oppressé. Donc, arrivé à un certain moment, parce que je cherchais comment il faut chasser ces démons. Je disais toujours à mon faiseur de disciples, elle me dit, il faut prier comme ça. Et je mettais ça en exercice. Mais vraiment, les démons n'en partaient pas. Quand l'odeur vient, toutes les orientations de prière que j'élève, les démons là n'allaient pas. Donc, arrivé à certains moments, pour ne pas être oppressé, dès que je sens l'odeur, je quitte là. Et je vais dans un autre coin pour m'asseoir. Je suis là-bas au moins 1 heure, 2 heures, l'odeur là me trouve encore là-bas. Arrivé à certains moments, c'était dans ma chambre. Là même, c'est devenu très grave. Quand il y a à partir de minuit, l'odeur entre dans la maison et l'odeur envahit la maison. Quand je sens l'odeur, pour ne pas être oppressé, je laisse ma maison, je suis dehors. Bien aimé, ça m'a fatigué quelque temps et c'était comme ça. C'est cette année même que le Seigneur m'a délivré de ces oppressions. Amen. Offrant d'acclamation à Jésus-Christ. For Jesus Christ. Avec des cris de victoire, Jésus-Christ. Avec des cris de joie, Jésus-Christ. Ça finit bien. Jésus est venu. Alléluia. Continue. Gloire à Dieu. Et il faut dire que quand nous avons commencé le jeûne du ministère aux enfants, puisque je suis un ministre aux enfants, j'ai décidé comme ça de prendre 21 jours complets. Et vraiment crier à Dieu. Parce que les frères de la délivrance ne comprenaient plus mon problème. Et moi-même, je me disais que personne ne comprenait mon problème. Donc, quand j'ai pris le jeûne de 21 jours, et j'ai commencé à crier au Seigneur. Et le Seigneur allait me répondre par un des frères que j'aime beaucoup, le frère Kofi Martial. Et ce jour-là, ce frère me rend visite. Il me dit, frère, je connais un peu ta souffrance, puisque tu es mon frère. Mais je vois que ta manière de prier là, ça ne peut pas régler le problème. Donc, je sens un peu que c'est la dépression. Il faut changer de manière de prier. Je pense que Dieu va t'aider. Et quand le frère m'a dit, je discutais même avec le frère. Amen. Parce que ce que je sentais et ce qu'il m'expliquait était différent. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai essayé de méditer dessus. Et le lendemain, quand je suis rentré,
J'ai vu un frère et qui m'a donné un enseignement sur la dépression. Frère. Acclamation. Clap. Le précepte. Yeah. Le précepte est une lampe. L'enseignement est une lumière. Je vous assure, ce n'est pas le livre que j'ai pris d'abord. J'ai pris seulement qu'un des enseignements du pasteur Minier. Et quand j'ai écouté l'enseignement parlait de moi. Amen. Et les prières qu'il a dit de faire dans son enseignement, j'ai fait les prières là. Quand j'ai fait les prières là, je suis arrivé à la maison. Or, habituellement, j'ai mis mon portable sur 3 heures. Donc, à partir de 3 heures net là, je me réveille. Parce que 3 heures et quelques, l'odeur rentre dans la maison. Donc, à partir de 3 heures, je sors déjà et suis au dehors. Ce n'est pas que l'odeur me trouve dans la maison. Et je suis au dehors. Et ce jour-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire que j'ai manipulé mal mon portable. Donc, le réveil était allé si silencieux. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et je dors. Je me réveille à 4. Jésus-Christ. J'allume le portable. Je regarde, il est 4. J'essaie de sentir l'odeur dans la maison, rien. Et dis en bon. Jésus-Christ. Et dis en bon. Donc, les démons là, c'est du mensonge alors. Et lendemain, je suis allé maintenant prendre le livre. Amen. Amen. J'ai vu que c'est voici la solution qui est là. Et quand j'ai pris le livre, j'ai retravaillé, bien travaillé. Ce jour-là, j'ai dormi paisiblement. Jésus. Jesus Christ. 3 jours après, j'étais dans la chambre, l'odeur m'apparut encore. Il dit, Satan, mais tu es un menteur. L'odeur a disparu un coup. Jésus-Christ. Jesus Christ. Oh, France, l'acclamation à Jésus-Christ. For Jesus Christ. Le roi des rois. The King of Kings. Le sauveur éternel. The eternal Savior. Et frère, je vous dis, depuis lors, j'ai retrouvé le repos. Et ces gens de pensée, ces gens d'odeur, vraiment. Je veux bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Pour cette délivrance. Amen. Amen. Lis pour nous Job chapitre 4. Read for us Job chapter 4. Lis à partir du verset 12. From verse 12. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Qu'est-ce qui s'est passé? What's happened? Les amis de Job sont partis le consoler. Job's friend went to comfort him. Il était malade. He was sick. Quand ils sont arrivés, when they arrived, ils l'ont trouvé dans un état de grande souffrance. They found him in a very, very suffering state. Ils ont fait sept jours sans ouvrir la bouche. They spent 7 days without opening their mouth. Ils sont partis pour le consoler. They want to comfort him. Et après avoir vu sa situation, and after having seen his situation, ils prenaient la poussière jetée sur leur tête. He took dust and put on their head. Et ils se sont assis à même le sol. They sat down. Et ils ont pleuré. And ils ont cried, pleuré. Cried. Et ils ont fait 7 jours et 7 nuits sans ouvrir la bouche. They spent 7 days and 7 nights without opening their mouth. Et Job a craqué. And George was overwhelmed. Imagine tes amis qui devaient te dire Yako, courage, et même ils sont dépassés. He was looking for friends who could tell him Yako, be courageous. The things non, was. Imagine que quelqu'un qui veut la consolation de ses imagine amis. Imagine someone wants to be comforted, and you come and you are over. 7 jours sans parler. 7 days without speaking. Job a maudit le jour de sa naissance. Job cursed the day of his birth. Il a commencé à parler. He started talking. Il a maudit tout, même le jour où il fut conçu.
He casted everything, even the day he was conceived. Et pendant qu'il souffrait, while he was suffering, son ami a reçu la visite d'un démon. His friend received a visit of a demon. Et son ami rend témoignage. And his friend gave a testimony. Lis. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. C'est Eliphaz qui parle. It's Eliphaz speaking. Continue. Et mon oreille en a recueilli les sons légers. Il dit, continue. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, oui, je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Eliphaz dit que une frayeur l'a frappé. That he was frightened. Et tous mes os tremblèrent. Tous ses os tremblaient. And his bones were shaking. C'était vraiment un démon puissant. It was a powerful demon. Et ça ne nous étonne pas. Job n'était pas n'importe qui. We are not amazed because Job was a great man. Il fallait vraiment un démon puissant pour venir. It took a very powerful demon to come. Rien qu'en s'approchant d'Eliphaz, only by getting close to Eliphaz, he was making him shaken. Continue. Un esprit passa près de moi. Et il a senti un esprit passer près de lui. And he felt the spirit passing near him. Il a senti ça. He felt that. Tous mes cheveux se hérissaient. Ses cheveux se sont hérissés. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. C'était un démon. It was a demon. Et j'entendis une voix qui murmurait. Le démon a parlé. Écoutez ce que le démon va dire. And the demon spoke. Listen to what the demon said. L'homme serait-il juste devant Dieu? L'homme serait-il juste devant Dieu? Could a man be righteous before God? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Qu'est-ce que le démon est en train de dire? Le démon est en train de détruire, il cherche à détruire le témoignage que Dieu a rendu à Job. The demon is seeking to destroy the testimony that God gave about Job. Dieu a dit à Satan. God told Satan, Job est un homme juste, droit, il craint Dieu. Job is a righteous man. Et il s'est détourné du mal. And he goes away from evil. C'est Dieu lui-même qui a parlé. It's God himself who spoke. Et cet esprit qui vient dire qu'un homme ne peut pas être juste devant Dieu, c'est un démon. And this spirit c'est which Satan. Come and says, a man cannot be righteous before God is a demon. Tout le monde sait que même Lot, même quand Dieu détruit la terre, il a dit à Noé que j'étais trouvé juste. Everybody knows that even when God wanted to destroy the earth, he told Lot, I found you righteous. Noé, c'est-à-dire que quand il devait détruire la terre par le déluge, il a dit à Noé, j'étais trouvé juste. When he wanted to destroy the earth, he told Noé, I found you righteous. Et Lot, la Bible dit que le juste Lot tourmentait journellement son âme à cause des choses qu'il entendait des fils de l'homme, à cause des choses qu'il voyait et entendait des fils de l'homme. And the Bible says that the righteous man called Lot was tormenting his soul because of what he could see men doing. Et la Bible dit, and the Bible que says, personne ne vous séduise. Let no one deceive you. Celui qui est juste, celui qui pratique la justice est juste. The one who practices righteousness is righteous. Donc, c'est Satan qui parlait. So it was Satan who was speaking. C'est pour cette raison que je vous dis souvent. This is the reason why I used si to tell you. Si quelqu'un te dit que tu n'as pas la foi, ne crois pas. En faisant ça, someone, je sais ce que je fais. If someone tells you that you don't have faith, don't believe. Le diable peut te jeter dans un état dépressif là où tu es là. Dans the la devil présence can de throw Dieu. You in a depressive state where you are. Il peut te dire que Dieu ne te connaît pas. He can tell you God doesn't know faut you. Pas croire à ça. Don't believe that. Dites amen. Say amen. L'homme serait-il juste devant Dieu? Voilà. Can a man be righteous before God? Donc même tu sais que c'est le diable. You know that it's the devil. Dès que quelqu'un te dit, j'étais effrayé, mes cheveux s'étaient hérissés, et un aspect terrible. Tu sais déjà que le diable est à côté, en train de rôder, cherchant qui il va dévorer.
You can yourself understand that the devil himself has come. When someone tells you that I saw a spirit with a frightened state. Certaines églises souffrent de ces choses-là. Some churches are suffering from this kind of things. Un homme, une femme peut te garder prisonnière. Chaque jour, il prophétise le mensonge sur toi. Tu as peur, tu restes là. A man or a woman can keep you as his prisoner every day, prophesizing false prophecies on you, and you are scared and you remain there. Nous allons détruire tout ça ce soir. We are going to destroy all of that. Et je proclame. And I proclaim. Que les voix que tu entends ne viennent pas de Dieu. That the voice you can hear are not from God. Appelons ça d'un commun accord les prophéties d'Eliphaz. Let's call it. In a common agreement, si the prophecies tu vois of quelqu'un qui vient dire le contraire de ce que les vraies visions ont dit, if you see someone coming and tell you the opposite of what the true vision are saying, que un vrai enfant de Dieu prophétise sur toi, that a true child of God prophesies on you, et un autre and qui se dit enfant de Dieu vient aussi prophétiser, mais le contraire, which called Eliphaz, him, Eliphaz. Who called himself dis-lui, a child of God Eliphaz, come and Eliphaz. Prophesy the contrary. Dis-lui, hey, Eliphaz, tais-toi. Tell him, oh Eliphaz, keep quiet. Si vous avez compris ça, vous êtes vainqueur. If you have understood that, you are winners. Moi, je veille sur ça depuis. Me, I watch this out for a long time. J'ai dit à une sœur, non, je n'ai pas besoin de prophétesse. I told a sister, I don't need a prophetess. Dieu me parle, frère, Dieu me parle. God speak to me. Pour ceux qui ont essayé, ils ont réalisé que je n'aime pas les prophétesses. Que le diable te dit, va travailler avec lui, tu prophétises, il enseigne. Moi j'ai tous les dons. All those who tried. Acclamation. Because I have all the gifts. Même si je ne sens rien, quand il faut exhorter, ça vient. Even if I cannot feel something, when I have to give advice to someone, it comes. Tu es béni. You are blessed. Tu es un enfant de Dieu. You are a child of God. Les voix que tu entends là. The voice. Il est. You c'est hear. Une bénédiction. Son témoignage est complet. He is a blessing because his testimony is complete. Parce que dans la dépression. Because in depression. Il y a les voix. There are voices. Les voix que tu entends. There are voices that you can hear. Il y a des paroles obscènes. There are obscene words. Il y a les pensées malpropres. Comme il disait là, il pense que le chef a les... On appelle ça les pensées malpropres. There are dirty thoughts, unsound thoughts. Tu essaies d'oublier, ça ne quitte you pas. You try to forget, but you cannot. Puisque c'est dans ton âme, dans le psychisme, donc c'est plus fort que les paroles qu'on te dit aux oreilles. As it is in your mind, it's stronger than words that you can hear in your ears. Tu es une femme. You are a woman. Une voix te dit. A voice tells ton mari ne t'aime pas. Your husband doesn't love you. Faut pas croire à ça. Don't believe that. Ou bien tu dis, moi je l'aime, point. And you just say, me, I love tu you. Tu as vaincu. And you are overcome. Ton mari ne t'aime pas. Prends ton sac, tu dis, hey, moi je l'aime. Your husband KO doesn't love you. Take your staff. You say, no, I love him. C'est un combat de parole contre parole. It's a battle of word against word. Avec la dépression. With depression. On ne prie même pas. Comme les gens, oh non, je suis... Do not pray. Parce qu'un dépressif qui prie, c'est malheureux. Laisse-moi, c'est quoi, Satan? Non, je suis... Non, je suis... Si tu es même un païen, tu auras pitié des croyants quand un dépressif prie. A pagan, you will even pity the believer when he is depressive. Il y a une femme qui priait, Babylon, il fait Babylon. C'est-à-dire, il dit le serpent veut entrer dans son sein. Babylon, Babylon. Quand tu à ce moment-là, tu es heureux d'être païen. À ce moment-là, tu te dis si c'est ça le christianisme. Mais Jésus-Christ. But Jesus Christ. Est le chemin, la vérité, la vie. Is the gate. Truth and life. Il possède la science science et la réflexion. And reflection. Il bénit l'église. He blesses the church. Un jour, one day, pendant que je cherchais, while I was seeking, le Seigneur m'a parlé. The Lord spoke to me. Et j'ai compris. And I understood. Et il m'a conduit and he led me dans deux témoignages.
in two testimonies. Le premier, c'est le frère Zach. The first was brother Zach. Il dit qu'un esprit leur avait parlé. Il était jeune dans la foi. He told me that a spirit spoke to them. He was young in faith. C'est dans le livre. It's written. Délivrance de l'emprise des démons. It's written in the book Deliverance. Et ils ont obéi. Ils sont partis prier, fatigués. And went and prayed. Ils avaient entendu une voix qui avait dit, allez prier pour tel frère qui est handicapé et guérissez-le. They heard a voice telling them, go and pray for this brother who is crippled and heal him. Vous allez arriver, il sera assis. You will go and find him sitting. Ils sont arrivés. They went. Il était pas assis à la véranda comme l'esprit avait dit. He was not sitting where the spirit told C'était him. C'était le premier signe. It was the first sign. Après, ils l'ont attendu. Later on, they waited for him. When ils ont bombardé. Ils ont bombardé. They prayed. Le frère Zach dit qu'il tirait ses pieds là. Brother Zach said pour les redresser. He was pulling his hair, his legs. Et ils étaient fatigués. They were tired. Ils sont rentrés. They went home. J'ai dit au frère. I told brothers. Le frère Zach était un vrai bâtisseur d'homme. The brother Zach is a good. Rien que ce témoignage là. People builder. C'est only this testimony, un seul témoignage. Only one ça donne testimony. Toutes les leçons sur la dépression. Gives all the lessons on depression. Il faut savoir d'abord que les démons mentent. You must first know that demons lie. C'est par là que la délivrance commence. Les démons mentent. They lie. Dès que tu as su as soon as you understand que les démons mentent, that the demons lie, la suite c'est que tu ne prends plus tous ces discours au sérieux. The following is you don't believe anymore all those speeches. Si tu entends une fois qu'il dit prie les sorciers, c'est à ce moment-là même que tu dois tirer la couverture sur toi pour bien you dormir. You hear a voice telling you pray because of a witch. Ne dis même pas le Seigneur protège-moi. C'est-à-dire dors seulement. You must sleep. Don't even say God protect me. Just sleep. Le psalmiste dit je me couche et je m'endors. The psalmist says, I lay and I sleep. Je ne crains pas les milliards de peuples qui m'assiègent. I am not feared about people who are around surrounding me. Et quand il se réveille, il taille en pièces. And when he wake up, sans he cut them into de pieces. Ça, un sujet d'intercession. Without having done it, a topic for prayers. Un dépressif. A depressif. Peut fermer la chambre. Can close the door. Il est dedans, il tremble, il a peur. He's et où in est the le pasteur room, Lombé? Trembling. J'avais envoyé le pasteur Lombé en mission. I sent Pastor Lombé on a mission. Les gens m'avaient sollicité. People called me. Mais je n'avais pas le temps. And I was not awake. J'effectuais un voyage. Available. J'ai dit au pasteur Lombé de partir. I sent Pastor Lombé. Écoutez le témoignage qu'il a ramené. Listen to the testimony. Pendant qu'il arrive, lève ta main droite. He brought. Before he arrived, put dit, up your oh, right Seigneur. Hand. Say, oh Lord. Que tous les dépressifs soient délivrés. May all the depressive be delivered. Je vais voir si vous avez compris la leçon. Délivrés de quoi? Delivered from what? Délivrés du mensonge. Delivered from liars. C'est l'arme des esprits de dépression, le mensonge. It is the arm of the spirit of depression. J'ai eu une vision. I have c'est a vision. Faux. It's false. Le démon t'a montré. The demon show you le mensonge. Liar. Si tu l'héberges, si tu continues, if you keep on, tu vas finir loin de Bengerville. You will be sous la terre. Under the earth. Si tu finis à Bengerville, même c'est bon, mais ça sera sous la terre. If you end in Bengerville, it's better, but it will be. Parle. Et effectivement, quelqu'un avait appelé le leader par rapport à quelqu'un d'autre qui souffrait, qui était en train de faire la dépression. Et il a demandé que j'y aille pour aller gérer ce dossier. C'était à Yopougon, Koweït. Et quand je suis arrivé, sa femme avait commencé à me raconter son histoire, l'histoire de son mari. Le monsieur, quand je l'ai écouté lui-même, il a dit qu'il était en train de suivre des cours de théologie pour devenir pasteur. Et pendant qu'ils étaient en plein cours, il a entendu une voix qui lui dit,
je te donne l'esprit du prophète. Ça doit être le prophète Jérémie. Je te donne l'esprit du prophète Jérémie. Il a entendu ça clairement. Et il a partagé ça à ses professeurs qui étaient en train de dispenser les cours. Et un a dit, ça c'est bien, Dieu t'a béni, tu es un prophète. C'est à partir de là que tous ces problèmes sont partis. Quand il est arrivé à la maison, il lui arrivait d'entendre la voix. Une voix qui lui dit, sors, va prêcher l'évangile à 2h du matin. Donc il sort à 2h, il tape la porte des voisins, boum, 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 Jésus revient bientôt. Repentez-vous, Jésus revient bientôt, repentez-vous. Souvent, les gens sortaient pour le menacer, pour le taper même. Il lui arrive souvent de sortir à 2h, 3h sur la voie, en train de prêcher l'évangile. Tu prêches à qui? Il dit, je prêche aux arbres, à tout le monde. À 2h du matin, il n'y a personne dans les rues, il prêche. Et puis, il se met à genoux. De 19h, il prie sans fermer sa bouche, sans se lever jusqu'à 6h du matin. C'était difficile. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et puis, il lui est arrivé un jour, il dit, il était dans sa maison et il a vu l'esprit, il a vu Jésus descendre avec des anges qui l'escortaient. Et Jésus lui aurait dit que tu es un prophète. Je t'ai donné l'esprit du prophète Jérémie. Il faut aller dans ton village. Tu vas ressusciter tous les morts qui sont enterrés. Et quand tu auras fini dans ton village, tu iras dans les zones ex-assiégées. Quand la guerre a eu lieu, là, ex-assiégées, là où il y avait les Abouaké, partout. Tous ceux que les anciens rebelles avaient tués, là, il faut aller les ressusciter tous. Je lui dis, frère, c'est pas Dieu, c'est un mensonge. Il dit alors, l'esprit du prophète n'a-t-il pas ressuscité les morts? Il te récite la Bible. Et la même personne, il lui arrive de prendre le pilon pour taper sa femme. Il lui arrive de prendre le couteau, il poursuit sa femme, il veut la poignarder. Donc quand je lui dis, toi tu es un prophète et tu prends le couteau, tu prends le bois, tu veux taper ta femme. Est-ce que c'est Dieu qui te parle? Dès que je pose la question, il commence à dormir. Quand je lui pose certaines questions sensées pour l'amener à réfléchir, il tombe immédiatement dans un sommeil profond. Je suis obligé de le réveiller. En fait, c'était difficile. Nous avons bataillé, il a refusé de coopérer. Finalement, ses parents ont été obligés de le lier pour l'amener à Bengerville. C'est là-bas qu'il est décédé. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. La dépression est très dangereuse. It's very dangerous. Tu entends des voix. You hear voices. Tu as l'impression que c'est Jésus même qui est venu te parler. You have the impression that it's Jesus himself who is speaking to you. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, if you don't know God, si un esprit te dit, l'homme serait-il juste devant Dieu, tu penses que c'est, mais c'est vrai, il n'y a pas d'homme, Dieu est saint, nous sommes tous des pécheurs. You, can a man be righteous before God? You can think it's right, and we are all sinners. Il y a des gens que Dieu a justifiés. There are people that God have justified. Là où tu es assis là. Where you are. Il y a des gens que, quand tu lis la Bible, il ne dit pas que vous serez sanctifiés. Il dit, vous avez été justifiés, vous avez été purifiés, vous avez été lavés. When you read the Bible, it does not say you will be justified. It says you have been justified, sanctified. Si tu entends un autre message, if you hear another message, qui te rend triste, which makes you sad, ce n'est pas Dieu qui te parle. It is not God. Ce n'est pas Dieu qui te parle. It is not God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est un mensonge. It's a liar. Tu le rejettes. You reject it. Et tous les démons qui sont venus servir cet esprit-là vont se disperser. And all demons which have come to serve this spirit will be scattered. Parce que tu as déjà compris. Because you already understood. Il y a plein de témoins, des exemples. Depuis que Dieu nous a donné la révélation, pour voir les dépressifs qui deviennent, qui commencent à délirer,
Ce n'est plus facile, c'est fini. Since God gave us the revelation, we have a lot of people who are healed from depression. Il y a un frère qui est venu. A brother came. Le frère a prêché. Brother Zach was preaching. Il dit, il faut que je prophétise. He prophétie. Told him, I must prophesy. Il s'est mis à genoux, il me supplie de le laisser, il va prophétiser. And please, and say, let me prophesy. Ce n'est pas Dieu. I told him, va it is not God. Go and sit down. Il dit, ah bon? C'est fini, il est déjà guéri. Il est parti s'asseoir jusqu'à aujourd'hui. He finished, he's already healed. He went and sit down till today. Mais l'histoire, c'est que son petit frère était déjà devenu fou. On ne savait pas. The history is his junior brother was already mad, and on we didn't pas, know that. On n'avait pas encore ces révélations. We didn't have his revelation yet. Le frère a prêché à Yamoussoukro. Brother Zai was preaching in Yamoussoukro. Après, il nous dit que il a vu les bébés en or. Sa vision, c'est le jeune homme. Nous dit qu'il a vu les bébés en or. This young man told us that he saw baby in gold. Nous étions contents que frère ait une vision. Oh là là. We were happy. Quelques heures après. Some hours later. Il courait nu à Yamoussoukro. He was running naked in Yamoussoukro. Nu. Naked. Un autre. Another one. On avait déjà commencé à travailler sérieusement sur la dépression, selon ce modèle. We had already working seriously on depression. Le pasteur Lombe m'a vu et dit, vraiment, il faut nous aider. According to this model, and Pastor Lombe told me, please help us. Qu'il y a un jeune frère, il that dit qu'il est un grand prophète. We're que, saying that he's a great prophet. Que je le bloque. That I am blocking him. Bon, j'ai demandé qu'il vienne avec lui. I asked him to come with him. Il est venu. They came. Le pasteur Lombe a fait l'exposé. Il écoutait en souriant. Explained all the thing to me. He was listening by smiling. Quand le pasteur Lombe a fini, when Pastor Lombe finished, je lui ai donné la parole. I gave him the floor. Il a ouvert, il a pris un cahier. Il avait un petit cahier sous les selles. Il he avait had ça. A small notebook under et his hand. Il a sorti his ça. Arm. Il a déposé en riant même. C'est-à-dire, c'est comme si on perdait son temps. It was like we were wasting his time. Il a ouvert. He opened. Il a lu la première prophétie. He read the first prophecy. Que c'est, il est grand prophète, mais Lombe est un blocage pour lui. That he is a great prophet, but Lombe is a blockage for him. He read another one. Et puis il a accéléré, il a ouvert une autre prophétie. And he opened another one. Et il a lu une prière qu'il élevait à Dieu. He read a prayer that he used to. Oh Seigneur, c'est lui qui priait. Oh Seigneur, rends-moi humble, rends-moi humble, rends-moi humble. He said, oh Lord, make me humble, make me humble. La prophétie évolue. Je suis humble, je suis humble, je suis humble, je suis humble. Je lui dis, bon, qui parle? I ask him, who is speaking? C'est toi ou c'est Dieu? Is you or God? Je dis, c'est Dieu. Je dis, mais toi, tu es en train de prier que Dieu te rende humble. You are telling God to make you humble. Et tu dis que c'est Dieu qui est en train de dire, je suis humble, je suis humble. And you say, it's God who is saying, I am humble, il I am humble. Il a compris que je soutenais la position du pasteur Lombe. Il a fermé son petit cahier. He understood that I was with Pastor Lombe, and he closed his small notebook. Il l'a remis sous les aisselles. He put it under his arms. Ils sont sortis. And they went out. Ils sont sortis. Il a continué les prophéties. He keep on prophesying. Un jour, one day, on me dit qu'en fac, I am told that at university, quand il voit une fille qui passe, il tire sa jupe. When he see a girl passing, he pull his skirt. Il tire la jupe. He pull the skirt. Vous voyez, voilà le grand prophète qu'on a en train de bloquer. Who was blocked? Après, later, le délire. Madness. Après. Later on. Les chaînes. Chains. Après la mort. And death. Pourquoi? La dépression provoque ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Tu peux avoir mal au cœur à cause de la dépression. Tu attrapes une maladie cardiaque. Because of depression, you can have a heart hurt. Tu peux avoir des crampes de l'estomac à cause de la dépression. Parce que ça désorganise tout ton être. Because it disorganizes all your body. Tu peux avoir des troubles des intestins. You can have troubles in your intestines. Une sœur m'a dit qu'elle sent une grande douleur à son côté gauche. Et elle tombe. A big pain
on a side. Elle peut faire deux semaines de fatigue. And she can have 2 weeks of and be tired. Bon, le reste c'est dans le livre. The rest is in the book. C'est un livre qui coûte 5000 francs, mais on va donner à 3000 pour que tout le monde soit armé. It's a book which cost 5000 but we will give it at 3000 si so that everybody can have his copy. Demande même à ton voisin, même si tu l'as déjà acheté, achète encore pour buy it. Rapide, levez les mains, ce que je vois. Come quickly. Oui, allez là-bas. Toi, tu ne sais pas voir les mains, c'est pour ça que tu chômes là-bas. Les mains sont ici. Rapidement, ça fait partie quickly. Du combat. Même la vente de ce livre, vous avez une seule lecture à délivrer le jeune homme. Only a small reading delivered the young man. La dépression est une maladie très dangereuse. Depression is a very dangerous sickness. La médecine moderne n'appelle même pas ça maladie. Ils appellent ça les troubles mentaux. Modern medicine does not call it a sickness. They call it mental troubles. Un démon peut te dire que ton frère ne t'aime pas. A demon can tell you that your brother doesn't love you. Au début, tu ne peux même pas réaliser que c'est le démon. In the start, you cannot realize that it's a demon. Il dit, il ne t'aime pas. He doesn't love you. Un démon peut te dire, va jeter ton téléphone au feu, il est envoûté. A demon can tell you that your mobile phone is bewitched. Go and throw it in the fire. Tu prends, tu jettes au feu. You go and throw it in the fire. Si tu craches beaucoup, tu maigris, c'est la dépression. If you speak a lot and you lose weight, it's depression. Il y a toujours la salive dans ta bouche, tu craches. There's always saliva in your mouth. Tu n'as pas d'appétit, tu maigris. You don't have appetite. Ça va évoluer. And you are losing weight. It will evolve. Si tu as des insomnies, if you cannot sleep, tu ne dors pas. You don't sleep. Tu ne dors pas. You don't sleep. C'est la dépression. It's depression. C'est un symptôme de la dépression. It's a symptom of depression. Si tu as des pensées démoniaques, if you have evil thoughts, devilish thoughts, tu vois un chien passer, quelque chose, tu couches avec le chien, comme il disait you là. You see a dog passing, something tell you, sleep with the dog. Dieu l'a brisé pour qu'il dise la vérité sans honte, pour ton salut. So that for your salvation, he tells the truth without shame. Il y a des femmes qui sont convaincues qu'un gros python est dans leur sexe. There are women who are convinced that there is a big python in the sex. Et souffrent, et ça fait maigrir. And they suffer, and it makes them weigh they lose. Ça détruit la personnalité. It destroys the personality. Quand tu es parmi les gens, c'est comme si tu dois aller te cacher. When you are with people, it's like you must go and hide. Satan est exposé. Satan is exposed. Quelqu'un lise pour nous. Let someone read for us. John. Chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Jean 17, verset 18. John 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Frères bien-aimés. Beloved brothers. Même si tu as des problèmes. Even if you have problems. Même si tu as des attaques. Even if you have attacks. Il y a une chose que tu ne dois pas oublier. There is something you must not forget. Tu es un envoyé. You are a sent people. Tu es un envoyé. You are a sent people. Comme le Père m'a envoyé, as the Father sent me, moi aussi je vous envoie. Me too, I am sending you. Faire quoi? To do what? Lis pour nous Jean, 1 Jean. Read for 3 us. Verset 8. Read for us 1 John 3 verse 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen.
The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Amen. Et qui est là pour la première fois? Qui est un invité? Who is a guest? Est-ce qu'il y a des invités? Est-ce qu'il y a un invité? Lève la main. Do we have a guest? Qui est invité? Ok. Écoutez ce que la Bible dit. Listen what the Bible says. Celui qui pratique le péché est du diable. The one who does sinful action is from the devil. Celui qui pratique le péché est du diable. The one who does sinful action is from the devil. C'est-à-dire que celui qui continue à vivre dans le péché volontairement après la mort de Jésus est du diable. It means the one who continues to live in sin after the death of Jesus. Jésus est venu nous sauver. Jesus has come. Et il a envoyé les apôtres. And he sent apostles. Aujourd'hui, même dans les villages, il y a l'évangile. Today, even in the villages, there is gospel. Qui parmi vous a déjà entendu qu'on ne doit pas commettre l'adultère? Lève la main. Who here si tu as déjà entendu qu'on ne commet pas l'adultère, lève la main. Who here have ever heard that? Oui, tout le monde a déjà we should entendu. Not commit adultery. Donc celui qui commet est de qui? The one who commits adultery, from whom he is. Tu ne peux pas dire que tu ne connais pas. You cannot say that you don't know this. Le Saint-Esprit a travaillé. The Holy Spirit worked. Et la lumière est entrée dans le ténèbres. And light came as come. Tu sais the que world. Ce n'est pas bien. You know it's not good. Tu sais que tu dois arrêter. You know you must stop. La haine doit finir. Hatred must stop. Les commérages doivent finir. Slanders must stop. Gossip. Le vol doit finir. Robbery must stop. Jésus a déjà éclairé le monde. Jesus has already enlightened the world. Il a béni ses disciples. He blessed his disciples. Il dit comme le Père m'a envoyé. He said, as the Father sent moi aussi je vous envoie. I send you. Cher ami. Dear friend, c'est pour cette raison que tu me vois parler. It is the reason why I am speaking. Jésus nous a envoyés. Jesus sent us. Si tu attends Jésus lui-même, if you are waiting for Jesus himself, tu vas attendre jusqu'au son de la trompette. You will wait at the blow of the trumpet. Ce soir, today, vous allez vous repentir avant qu'on ne commence la prière. You will repent before we start the prayer. Dieu a permis qu'on t'invite pour que tu viennes et que tu changes. God allow people to invite you so that you come and change. Et ce sont des choses que tu as toujours entendues. And these are things you always hear. Mais aujourd'hui, but today, le Seigneur te l'a dit d'une autre manière. The Lord is telling you it in another way. Tu dois être sauvé. You must be saved. Il t'appelle pour ton salut. He is calling you for your salvation. Il t'appelle pour ton salut. He's calling you for your salvation. Pour certains d'entre vous, for some of you, vous avez essayé, vous êtes tombé. Vous avez essayé, vous êtes tombé. You tried and fall down. You tried and fall down. Et vous ne croyez plus. And you don't believe anymore. Mais ce soir, but today, il y a une onction spéciale. There is a special anointment. Il y aura une délivrance authentique. They will have a real deliverance. Tous ceux qui vont accepter Jésus ce soir. All those who will accept Jesus this afternoon. Entre dans l'action de Jésus. Will enter in the action of Jesus. Même si tu bois comme even une abeille. Even if you drink. Ton dernier verre. Your small glass. Et celui que tu as pris avant d'arriver ici. Is the one you drank before coming here. C'est fini. It's finished. Tu ne seras plus le même. You won't be the same anymore. Si tu es marié, si tu as les enfants, if you are married and you have children, observe look, comment la maison va se réjouir. How the house will rejoice. Tu sauras que la vie est entrée en toi. You will see that life has come in you. Et la méchanceté va sortir. And wickedness will go out. Si tu as quitté ton foyer, if you left your household,
Dès que tu finis ici, alléluia. As soon as you finish here. Tu mets tes effets dans le sac. You put your stuff in. Tu rentres à la maison. And you go back home. Acclamation. Clap. Tu rentres chez toi. You go home. Si tu as les objets volés, if you have stolen things, tu vas les remettre. You go and give it back. Tu vas les remettre. You give them back. Si tu as trompé les gens, if you deceived people, tu dis je m'appelle Aminata. You say my name is Aminata. Ailleurs tu dis je m'appelle Janda. Somewhere else you say my name is Janda. Bon, on ne te connaît pas. They don't know you. Tu vas dire la vérité. You will tell the truth. On connaîtra ton nom. They will know your right name. Jésus-Christ. Jesus Christ. C'est ta délivrance. It's your deliverance. L'évangile délivre. The gospel delivers. L'évangile est la puissance de Dieu pour délivrer. It is the power of God to deliver. Dès qu'on commence à prêcher l'évangile. As soon as we start preaching the gospel. Ça veut dire qu'on a déjà commencé à délivrer. It means we have already started certains delivering people. Nous avons déjà commencé à délivrer. Ils attendent some les prières. Don't know that we have started delivering people. Les choses qui se passent dans ton cœur là. Things which are happening in your heart. C'est le phénomène de la délivrance. Is the work of deliverance. C'est la parole qui produit ça. Is the word which produces that. De telle sorte que Dieu sait déjà qui est vrai et qui n'est pas vrai. So that God already knows who is true or wrong. Dieu sait déjà qui a décidé de croire. God already knows who has decided to believe in him. Dieu voit qui est en train de discuter dans son cœur que pourquoi il dit que je dois laisser l'adultère. God sees. Who is discussing in his heart, saying, why should I stop adultery? Si tu continues, if you keep on, Dieu va te rejeter. God will reject il you. Il a dit dans sa parole. He said in his words. Ephraim est attaché aux idoles. Ephraim, you are attached to idols. Laisse-le. Let him. Dieu va t'abandonner. God will abandon you. À ton kutuku. To your kutuku. Et tu en verras ce que ça va te donner. You will see what it will give you. Il va boire. We'll tell you, go and drink. On verra ce que ça va donner. We'll see what will happen il a to dit you. He said, que celui qui est souillé se souille encore. Let the one who is que celui qui est souillé se souille encore. Let the one who is defiled divide himself again. Que le juste pratique encore la justice. Let the righteous one practice righteousness again. Est-ce qu'il y a un invité qui veut donner la vie à Jésus? Lève la main. Is there a guest who wants to give his life to Jesus? Viens. Put up your hand. Venez, venez. Come. Qui d'autre? Venez, venez, venez. Accueillez-les directement. Welcome them. Ça, c'est bien. Qui d'autre? Oui, who ça, else? C'est bien. Oui, salut, salut. Tu es sauvé, va. Acclamation. Clap. Oui. Donne ta vie à Jésus-Christ. Give your life to Jesus Christ. Tu auras la vie éternelle. You will have eternal life. Délivré du péché. Delivered from sin. Même si on t'a enterré. Even if you were buried. Envoûté. Bewitched. Jésus va te délivrer. Jesus will deliver you. Viens. Come. Donne ta vie à Jésus. And give your life to Jesus. Jésus a dit. Jesus said. Je suis à la porte et je frappe. I am at the door and I'm knocking. Si quelqu'un entend ma voix, if someone hear my voice, et ouvre son cœur, and open his heart, j'entrerai chez lui. I will enter. Si tu entends cette voix, if you can hear this voice, qui t'appelle, who is calling you, qui te dit, mon fils, ma fille, ouvre-moi, ouvre-moi, saying, my son or my daughter, open me your heart. Ouvre. Open. Si tu n'ouvres pas, if you don't open, un jour, one day, Jésus aussi, Jesus too, va te fermer la porte. Will close the door to you. Au nom de Jésus, in the name of Jesus, nous te délivrons de we tout attachement. We deliver you
from any kind tout of attachment malsain à la religion. Any unsound attachment to au religion. Nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous te délivrons we deliver you de tous les liens d'iniquité. From all ties of iniquity. Nous t'arrachons d'entre les mains de Satan. We snatch you from the hand of Satan. Peut-être tu ne sais pas qu'il y a les démons derrière. Maybe you don't know there are demons behind. Lève-toi et viens. Stand up and come. Sauve-toi. Save yourself. Il reste 2 minutes. 2 minutes left. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. 1 minute. 1 minute. Est-ce qu'il y a un rétrograde parmi vous? Do we have a backslider here? S'il y a un rétrograde qui veut revenir, lève la main. If there is a backslider who wants to come back, put up your hand. Un rétrograde. A backslider. Qui était avec Jésus? Who was with Jesus? Qui est tombé? And fall. Et le diable se réjouit. And the devil is rejoicing. Viens. Come. Qui d'autre? Who else? Levez vos mains. Put up your hands. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Say with me, Lord Jesus. Je reconnais. I recognize que j'ai pratiqué le péché. That I practice sin. Et ta parole dit que celui qui pratique le péché est du diable. And your words say that the one who sins is from the devil. Pardonne-moi. Forgive me. Je me donne à toi ce soir. I give myself to you today. Je me sépare. I separate. De tous les péchés que j'ai commis contre toi. From all the sins that I have committed against you. Je ne rentrerai plus commettre ces péchés-là. I won't do them anymore. Je te donne ma vie. I give you my life. Je te donne ma vie. I give you my life. Écris mon nom dans ton livre. Write my name in your book. Écris mon nom dans ton livre. Write my name in your book. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Seigneur. Lord. Je reviens avec des problèmes. I come back with problems. Et avec des maladies. And sickness. Des blocages. Blockages. Délivre-moi. Deliver me. Tendons nos mains vers eux et demandons que Dieu accomplisse ses desseins dans leur vie. Amen. Amen.